Salut les ultras! Alors, une game un peu spéciale, une game défi à la Fall x8, mais dans laquelle il s'est passé des choses folles. J'ai appris qu'on m'avait péta mon alimentation. Et puis, après un appel à Amazon que vous allez voir dans cette vidéo, il s'avère que en fin de game, le livreur présumé, le voleur, est venu rendre ce qu'il avait dérobé. C'est incroyable. L'histoire est ici. Bon visionnage. Abonnez-vous. D'ailleurs, tu sais quand je devais avoir mon alim qui arrive aujourd'hui, je viens d'y penser. Vos commandes. Mais vous, elle est livrée. Si elle est pas dans la boîte aux lettres, c'est qu'on se les fait chourave. Attends, je vais en direct. Bon, ben, vous allez le savoir en même temps que nous. A few moments later. On s'est fait péter à la livre. Oui. C'est pas vrai. Putain, les livreurs Amazon, c'est vraiment, c'est terrible. Du coup, Amazon, chat. Je suis même plus étonné, chat. Livré aujourd'hui. Le colis a été remis en main propre. Il a tout osé, le mec. Pas si propre que ça. Des mains de voleur, bébou. Êtes-vous satisfait de votre livraison? Alors, j'ai le choix entre excellent et médiocre. Obtenir une assistance technique. Saisir votre numéro de téléphone. Oh, pareil, s'ils appellent en live, on va se marrer. Le service d'assistance technique Amazon vous contactera rapidement. J'essaie de vous faire croquer, chat. Attends, je vais faire une game en même temps, les gars. Bienvenue au service client d'Amazon. Mon nom est Colin, comment je peux vous aider? Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Non, alors moi ça va pas du coup. On m'a dit que mon alimentation avait été livrée, mais ce n'est pas le cas. Je vérifie tout de suite concernant ça avec vous. Parfait. Je suis désolé pour la situation. Ah, c'est... C'est le livreur, il m'a péta. Il a pris ça pour de la cam, je pense. Et, il a tiré. Ça arrive. Je signale, ça arrive parfois, mais on essaye toujours d'améliorer le service. Je signale tout de suite au département responsable. On va au premier plan, on va essayer de récupérer le colis. Peut-être qu'il l'a livré à une mauvaise adresse ou quelque chose de sa part. Non, il a bouillave. Vous l'avez vu alors? Non, mais j'ai vu des livreurs ce matin Amazon me livrer une climatisation. Ça s'est très bien passé. Mais là, l'alimentation, le produit informatique, étant plus petit, ça a logé dans sa poche, il a péta. Ah. Je signale tout de suite ce qui s'est passé au département responsable pour faire les vérifications. Ce genre d'enquête, il prend au maximum 2 jours ouvrés. Alors, si vous permettez, je vous rappelle moi-même le vendredi. Parfait. Avec vous parce que parfait, je suis disponible vendredi. Ok. Ce qu'on va faire, au premier temps, on va récupérer le colis. On va contacter le livreur lui-même pour faire les vérifications nécessaires. Parce qu'il y a écrit. Il y a écrit livré en main propre, mais je n'étais pas là. Et pourtant, j'ai un colocataire là constamment à la maison. Donc les mains du collègue livreur. Pas si propre que ça, je le signale. Merci d'avoir signalé ça avec les détails. Avec plaisir. Commentaire. Merci bien. Et je signale ça au département responsable. On va faire les vérifications nécessaires. Si on était capable de récupérer le même colis pour vous, ça sera livré soit aujourd'hui. On a jusqu'à 22 heures pour le faire ou bien demain. Sinon, on va procéder à une nouvelle livraison. C'est pour cela que je vous rappelle moi-même. Vendredi. Mais c'est parfait. Alors, vendredi, je travaille. Et vous savez quoi? Vous appelez entre 10h et 19h, je vous décrocherai. Veuillez me répéter, entre 10h et. 19h. Même 20h pour vous, parce que c'est très agréable de vous parler. Vous comprenez la situation. Je vous en prie, monsieur, et je vous rassure, je fais de mon meilleur pour récupérer ça pour vous. Bon. On se dit bonne soirée. À vous aussi, merci bien. À vendredi. À vendredi. Bisous.
Au revoir, monsieur. Bisous, bisous. Au revoir. Attends, je lui mets 5 étoiles, frérot, avant de plus y penser. Bon, on peut aller jouer, chat. Ouais, ben les gars, on m'a pété à la lime. Mais n'empêche, je l'avais colle ou je l'avais pas colle? Chantec, dès que je commande un produit informatique qui est assez petit pour entrer dans un sac à dos, il y a un problème à chaque fois. Je vous fais la promesse, s'il m'appelle le soir, je vous fais un débriefing sur Instagram. Si c'est pas pendant les horaires de live, débriefing, les gars. Mais en toute honnêteté, je pense qu'il va appeler dès 10h le coquin. Il en serait capable. Rejouons au jeu vidéo. Oh, le stream hack. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mais mec, arrêtez de stream hack! Il y avait 4 mecs sur le toit, aucun son fight, ils ont tous sauté en mode « Il est où ?» Éliminez-les pour capturer l'objectif. Je suis sûr que ça nous est tous arrivé, des situations désespérantes comme ça. Tu vois écrit « T'es chez toi toute la journée, on est confiné. » Le mec va dire que t'es pas chez toi et il va raconter des folies. Rotation planning pour savoir quand sont mes jours off et mes jours on, les ultras. Si jamais ça peut vous aider. Ah, c'est pas l'arme que je voulais ramasser. Vent à Lim, première main, prix à débattre, bisous. C'est vrai qu'à ouf. Regardez les gars, ils venaient d'acheter, c'est pour ça que j'ai attendu. Regardez ce que c'est ça. Bouge pas. Je vais faire le massage du cou. Bon. Ah. L'autre, il a essayé de faire pareil que moi, mais sans le talent, les gars. Bon. On va voir si elle est bien, la falle, les gars, ou si c'est de la cochonnerie. Oh, oh. Oh putain, ah ouais. Ok. Merci à Benicito pour les 4 mois, Jidan pour les 5 mois. Avoue, tu t'es marré, Kaouf. Oh non. Putain, mais je vais crever là. Ennemi repéré. Les gars, pourquoi est-ce que ce mec s'enfuit si hard? Genre, il sait même pas qui je suis ou quoi. Regardez-le comment il a peur. Il lâche des chargeurs et il s'échappe à l'opposé. Regarde-le. Mais c'est quoi ce style de jeu, sans déconner? Mec, mais arrête-toi, mec, je suis juste derrière. Roquette, montre-lui. Merde.
Flo a utilisé une musique copyright. Avec l'histoire d'Amazon, on va éviter de se faire supprimer la vidéo par YouTube. On dit merci qui ? Merci Jackie et Mi, je voulais dire merci Cho. Bon allez, on va là maintenant. Et on voit qu'il y a un autre joueur les gars. Oh là 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 là, ça joue fort les gars, ça joue fort, ça joue Strella. Aucune pitié pour le joueur français. Et Shaw qui décide d'avancer et d'offrir croquette. Il m'a chuchoté GG. J'ai invité ta mom à dîner. rien de plus chat. Car égale nos skills. Waouh. Toi t'as des parents frères et sœurs. Merci Spank pour le subgift. Yoman pour les 4 mois. Je l'ai banni. Bonjour. Mais t'étais pas paralysé genre y a pas longtemps? Mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait une glissade et tout? Tu vas monter dans la voiture? Je vais te coller une thermite gros, donc monte pas dans la voiture. Ahmad, je te l'avais dit frérot. Pourquoi t'écoutes pas? Putain, il avait l'arme la plus cheatée du jeu, les gars. J'avais une fal. Ah ouais. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ça aurait été beau, hein. Oui, chat, je l'ai vu. Il a l'arme la plus cheatée du jeu, donc j'ai peur, évidemment. Elle décale avec ton arme cheatée. Nul cette fal. Oh, elle est pas si mal, les gars. Ça va, en vrai. Vous êtes durs. Je vais prendre un silence de mort, les gars, et... Putain, je vais tenter un truc. Hey. Bijou, bijou! Mais non, où tu vas? Mais. Oh, bah, comme l'autre. Hop. Je pense que. Je pense que ce mec sait qu'il a l'avantage avec son arme. Le gaz arrive les gars et le gaz est en train de push quelqu'un d'ici. On va aller jeter un petit coup d'œil. On va aller voir que est-ce que c'est la personne qu'on a tuée qui est revenue. Ah, ça, il vient de disparaître. Le point vient de disparaître brutalement. Attention,
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait une caisse fantôme dans le coin? Est-ce que cette personne est simplement descendue? Attends, j'arrive gros. Ouais, en fait, le mec s'est fait tuer par un autre mec qui campait dans la maison. Pas si mauvaise la fal, hein. Le Lord ne boit pas. Non. Oh non, 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 jamais. Mais non. C'est le mec qui avait au spawn avec moi, les gars. C'est la tête d'ampoule qui avait au spawn. Tu sais contrer un bouclier? Twitch Sam Axe. Oui, un cœur. Qu'est-ce que je pourrais te faire? Un claquement de doigts en mode t'es nul. Tu vois ça, les gars? Mais fais pas genre que tu savais pas, t'as spawn avec moi. Tu vois, t'as skip, y'a un mec là. Les gars, moi ce que je déteste par-dessus tout, c'est les campeurs. Vous voyez ce mec là qui campe et qui backstab tout le monde comme un gros chien en bord de zone. On va se mettre nous aussi en... Merde. On va se mettre nous aussi en bord de zone histoire de le cueillir, les gars. Mais alors? Va dans un lobby, gros. Hey. Oh non, il a l'arme cheatée, les gars, je peux rien faire. Je suis pris au piège. Merci Vizix pour le sub. On avance. Oh non, il nous regarde avec l'arme cheatée, les gars. Je vois rien. C'est qui? C'est le livreur? Voleur? C'est qui? Il est venu en kangou avec sa voiture perso, il l'a rendu. Il s'est passé quoi, frère? Vas-y les gars, regardez. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il a pris un coup de pression d'Amazon ou quoi? Certainement. Mais pourquoi tu lui as pas cassé les jambes? Mais d'où il sort pour nous l'armer comme ça, le mec? Mais gros, il est 21h, il bosse pas, qu'est-ce qu'il fout? 100%, il a fait un coup de pression d'Amazon, c'est lui qui l'a dégardé. Mais c'est pour ça, j'aurais dû descendre. Oh, le fils de pute.
Eh, c'est pas incroyable ce qui se passe, ça. Il a, pareil, il nous a foutu une alim 300 watts à l'intérieur, cet enculé. T'as dit, oh. Il tente quand même sa petite douille. Je te couvre, mon frère. Non! Il est rentré derrière moi, les gars! Il avait activé un silence de mort, c'est pour ça que je l'ai pas entendu! Oignon! C'était une trop belle game, les gars! Bah attends, mais c'est par contre, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Elle a l'air intacte? Les gars, regardez! La bille ne fait pas le moine! Elle est en bon état, on a une alimentation qui nous vient de chez Corsair apparemment. Bon. Tout est là? Amazon, ils ont dû téléphoner. Alors, d'après les termes du client, t'as péta. T'as péta le colis. Mais un pas si propre. Il avait des arguments. T'es dans la merde.